Allez go, on repart sur l'excellent Titanfall 2. Bienvenue les gens du replay, ça va bien? On est sur Titanfall 2 et on va certainement finir durant ce Vous êtes prêts live. à me filer mon blé? Et vous l'aurez votre cargaison, espèce de connard. Allez! Attendez, je remets le dernier point de contrôle pour qu'on ait la cinématique en entier. J'avais coupé un petit peu à l'arrache juste avant de mettre la pause. Est-ce que je me cogne de vos problèmes? Quand vous aurez livré l'arche conformément à votre contrat, l'IMC procédera au paiement. Soyez juste prêt à me filer mon blé. Et vous l'aurez votre cargaison, espèce de connard. Allez, le titan! Tu te dépêches de t'ouvrir et tu me donnes ce que je veux! Commande vocale non identifiée. Je vais faire ça à ma manière. C'est beaucoup trop risqué. L'arche est instable. Écoute, le héros. T'as un truc qui m'appartient et je veux le récupérer. Grouille, dis à ton titan de s'ouvrir tout de suite. Ouvrir sur quoi? C'était ta dame? T'essaies encore de jouer les héros, hein? Y a un paquet de fric en jeu avec ce contrat, mon pote. Donc tu dis à ton titan qu'il se mangue le cul de s'ouvrir. Ou sinon, je te colle une bastos dans la tête. Pilote menacé. Systèmes oculaires marginaux. Visuel sur pilote impossible. Ah, relevez-le! Non, ce n'est pas perturbant d'avoir Joey Star. Là, est-ce que tu le vois? C'est génial. Juste là! Là, tu le vois? C'est bon maintenant? Fonction endommagée. Défaillance générale. Il est excellent de Joey Star en plus. J'en ai rien à foutre que tes fonctions soient endommagées. Tu me feras Putain pas de bon croire acteur. Ça, c'est pas possible. Il n'y a pas moyen qu'il n'y ait plus rien qui marche. Mine-toi de t'ouvrir. Ou je te promets que j'explose le crâne de ton pilote. Tu te souviens encore de ce que c'est de compter? Je vais compter jusqu'à 3. 1. 2. 3. Alors, c'était pas si dur finalement. C'est ça le problème des équipes. Si on gagne pas ensemble. Des crèves en son bras. Ça va donner. Rien tenté. Roule-toi d'extra large! On n'a plus le temps! Allez, let's go! Ah oui, il est excellent, Joey Star, moi je trouve, dans son jeu d'acteur, dans les films, ou dans ses doublages, dans les jeux. Ah, je dis dans les jeux en même temps, je sais pas s'il a fait d'autres jeux que celui-là. Mais c'est génial! Je kiffe Joey Star. Bon. C'est triste pour notre titan. Ah, il est pas par mort ici. Cooper, je ne peux plus poursuivre la mission. Mais vous, si. Prenez le kit, Sire. Votre meilleure chance de survivre. Vas-y, donne. Mais c'est pas possible qu'il crève. On va le retrouver plus tard, je pense. Ça m'étonnerait. N'excluez pas ceux qui spamment. On va niceler temporairement seulement. Ouais, j'avoue. Oh non! Ah, c'est naze, on a le flingue cheaté en fait. Vous savez, le flingue de noob sur le jeu là qui tire automatiquement, je crois que c'est ça qu'on a. What the fuck. Bon, bah pas de piratage. Mais si, on est obligé de pirater.
peut-être maintenir. Ah. Qu'est-ce qui se passe du coup? Échappez-vous, mais je vois pas trop où on peut aller, il y a des flammes partout. D'accord, je suis mort. Ok, génial! Réintégrer ce que vous avez, le mot, réintégrer ce que vous avez pour Red. Cooper, je ne peux plus poursuivre la mission. Mettez juste des bannes tempo pour pas que ça spamme dans le chat. Et bannissez pas définitivement. Votre meilleure chance de survivre. Faut que tu maintiennes pour pirater. Ouais, mais arriver à. Ouais. Je vais réessayer. C'est bizarre. Merci. Ça m'étonnait un peu que ce soit pas ça, parce que je vois pas trop quoi faire d'autre sinon. Allez, oui, on a vu. Allez, go! Eh, y a marqué maintenir en plus. J'avais pas lu juste avant. Ok. Mais c'est faible. Ah, c'est de la merde. Vérifiez les coordonnées. Amplifiez le signal. Établissez la liaison avec eux. Commandant Briggs, j'ai localisé Cooper. Il a extrait la mémoire de BT. Il a sûrement le kit-fer. BT, Cooper, situation. Cooper, vous me recevez? À vous. Oh. C'est de la merde ce flingue. C'est trop nimp en fait. J'ai horreur de cette arme. Bon, encore dans le mode solo, ça peut aller, mais en multijoueur, je trouve ça complètement con, ils auraient pas dû le mettre. C'est vraiment une arme pour nous, en fait. Le signal. Établissez la liaison avec eux. Commandant Briggs, j'ai localisé Cooper, il a extrait la mémoire de BT, il a sûrement le kit clair. BT, Cooper, le mode solo, encore, ça le fait, ça fait assez beau, tu cours sur les murs, tu tires, tu fais 3 headshots. Mais tout le multi, ça rend les frags trop faciles pour ceux qui savent pas jouer en fait. Ici le commandant Sarah Briggs. Si vous nous recevez, rejoignez le pont 1 km au nord de votre position. On n'a qu'une seule chance de reprendre l'avantage et c'est vous. Notre flotte se déploie vers le Disorder. On arrive, c'est pas encore fini. Ok. J'ai quasiment aucun risque de crever normalement si je fais pas nimp. Hein. Bienvenue à ceux qui viennent d'arriver sur le live. Ah, avec les boucliers ça va forcer un peu le truc. Ah la vache. J'ai pas tiré assez vite. En même temps je me fais chier avec ça, mais j'aurais dû jeter une grenade directement plutôt que de me faire chier avec le flingue. Bien leur donner l'occasion de faire quelques frags quand même. Ah, on n'a pas les grenades, d'accord, on a que ça. Et si je vise, y a pas le mode automatique avec ce flingue? Ah bah si. Voilà, donc on peut pas tirer librement en fait. Les défenses anti-aériennes sont extrêmement denses autour du Disorder. Nous avons du mal à débarquer nos troupes et nous serons bientôt à court d'options. Ouais. J'ai hâte d'avoir un hangar à déployer. J'éjecte sa mémoire et je le prépare.
J'ai hâte de récupérer un vrai flingue. Mais là tout est son genre. Et encore je crois que je peux même rester appuyé dessus en fait. Tout à l'heure je sais pas mais. Cooper, Titan stand-by, à votre signal. Attention, largage de Titan. Ouais vas-y amène-toi mon Titan. Ça sera mieux que de jouer avec ça, c'est quoi ça, largage de Titan. What the fuck. Vous avez appelé un nouveau BT. Oh ils ont remplacé. D'accord, donc l'autre il est bien mort alors en fait, y'a pas moyen de le réparer. Non, c'est naze, je préférais l'autre. C'est notre premier titan. Bonjour Jack. Il est temps d'accomplir votre mission. Come on, bitch, come on! Bienvenue à ceux qui viennent d'arriver sur le live. Cooper, allez, let's go. Toute force contre l'IMC, mais ça m'étonnerait que ça suffise. C'est quoi cette arme? La salle de ciblage. Je demande en briefs à tous les postes de combat. Je veux un appui de feu sur Cooper et BT. Couvrez-les coûte que coûte. C'est quoi que j'ai comme roquette? Cooper, grimpez sur cette colline. On vous couvre. D'accord, j'ai pas compris le délire là, ça... Ouais, bizarre. Oh, bien ! Acquisition, menace immédiate, feu ! Casse-toi, ça me prie, va. Visuel, menace immédiate, feu ! Je prends des tirs, je sais pas d'où ça vient. C'est quoi le noyau? D'accord. D'accord, on a plusieurs cibles à la fois, c'est génial. Elle est géniale cette arme. Putain. C'est un truc de ouf. Génial, et ça pleut du succès là, je sais pas ce qui se passe. Oh la vache, c'est du bof là. Ouais, je se passe comme des merdes. Oh putain! Oh, j'ai fait nimp. C'est dommage. C'est toujours mon BT, j'ai gardé la mémoire, Cooper, d'accord. C'est juste la coque IMC, qui était morte. Ok, que ouais, je regardais pas trop quand tu as la cinématique tout à l'heure en fait. Demandons Briggs à tous les postes de combat. Je veux un appui-feu sur Cooper et BT. Couvrez-les coûte que coûte. Bien reçu. Let's go. Cooper, grimpez sur cette colline. On vous couvre. C'est bizarre hein, la fonction là. Normalement c'est des missiles. Allez, allez, allez. Un peu. Acquisition, menace immédiate, feu. Allez, crève. On recharge, tranquille. Visuel, menace immédiate, feu. Ouais, je comprends rien du tout avec le... l'attaque secondaire là.
vous avez l'air de vous amuser avec les Kikou sur YouTube. Profitez-en, profitez-en. Un jour on aura tous terminé, on pourra tout jouer avec. Allez, ça revient. Hop, c'est un couvert. Acquisition, menace immédiate, feu. En garde en civil, trajectoire d'interception. Un ennemi abattu. Nickel, encore une pile là. On va se mettre là, comme ça on aura le bâtiment pour se mettre à couvert. Je l'ai écrasé ou pas? Oui. C'est là qu'on en finit. Allez, amenez-vous, amenez-vous, amenez-vous. C'est quoi Y? Les gars, c'est oh. Allez, allez. Il devait brouiller. Alerte, dégâts sur ma coque. Voyou Smart 5. Menace immédiate. Ouais, le smart, ça c'est génial. Alerte. Alerte, active-le. Ça marche pas là, le smart. Le smart va en finir avec toi. Ah si. Putain, j'ai raté le bordel, le voilà. Noyau smart hors ligne. Ouais, bizarre le noyau smart. Le truc en fait, c'est qu'avec cette arme là, on peut passer en comme ça. Ou alors, hop, en comme ça. Et les dégâts, c'est pas du tout les mêmes. Bon, comme ça c'est plus précis, mais c'est ça fait moins de dégâts je crois, ça concentre plus les tirs, alors que dans l'autre mode c'est plus de dégâts mais c'est beaucoup moins précis. Corps à corps, faut se tuer en fait. Ah, pour le corps à corps, le contre porté plutôt. Titan musicien repéré, numéro classifié D7274. Il est pas fait longtemps ce jeu là. Un qui a créé 5 comptes pour mettre des pouces rouges, c'est un faible. Comment l'embrayer? Moi j'en aurais créé au moins une vingtaine. Vous êtes pile à l'heure, Gates. Mais je suis pas un faible comme combien de réserves sur le Malta? On est chargé à bloc. T'en fais pas, Cooper. On est avec toi. Système de visée activé. On est paré à tirer. Ok, ils sont où? D'accord, d'accord. Bon, bah, c'est bien, c'est passé. Titan milicien repéré. J'engage. Cible verrouillée. Feu. La grenade, la grenade. Ah. Feu. Danger immédiat. Il m'a fait mal, l'enfoiré avec son pont. Alerte, dégâts sur ma coque. Cible repérée, j'attaque. Allez, dégâts sur ma coque. Allez, allez, mode smart, mode smart. Il est pas le mode smart. Voyons smart activé. Nickel. Nickel. Là-haut. Dégâts excessifs. Alerte, alerte. T'inquiète pas pour les dégâts.
est mort, il est mort, il est mort. On va les tenir à distance. À partir de maintenant, c'est à vous de jouer. Perdu, pilote. Attendez, je vais les écraser. Voilà. 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 On dirait des blattes. Ça tourne dans tous les sens. On dirait des blattes, les bordel. T'es fait comme un rat, mon ami. Oui, je te l'avais dit. Cooper, nous avons localisé Blisk et Sloan, droit devant. Ils ont l'arche, continuez d'avancer. Allez, on crève, on crève, on crève. C'est d'utiliser le distorteur. Si nous échouons, la planète milicienne d'Harmonie sera détruite. Un peu ce qu'il y a là et je passe en mode courte portée. Allez, courte portée. Allez. C'est quoi ceux-là? Ah oui, c'est les robots. Oh! D'accord, je savais pas qu'ils jetaient des espèces de missiles, de robots. J'ai jamais capté. Tu peux dash en mettant un coup de l'UMC. Ici le général Marder. Les mercenaires ont livré l'arche. Préparez le Distorder. Allumage des systèmes d'alimentation du Distorder. Allumage des transpondeurs de visée. Entrez les coordonnées de la planète Harmonie. Initialisation système de visée. Harmonie. Coordonnées 264.588. Bah alors, ils sont plus là les Kikou, je les vois plus sur YouTube, bordel. Ils sont partis se coucher. C'est dommage. Mais c'était rigolo. Trop faible. Trop faible. M'attaque pas, c'est bizarre. Bon, allez, laisse-moi sortir, bordel. Foutu vitre. Ah, Joey Star. Vous avez votre fric, Blisk. Partez. Mes hommes s'occupent du reste. Il était vraiment temps que ça bouge. Tu sais que c'est encore de jouer les héros, hein? Ouais, comme tu voudras. Je vais faire ça à ma manière. Celui-là, je le tue gratos. C'est naze. C'est ce que je vois quand je te regarde, Cooper. Un gros tas de pognon. Oui. Injecteur d'arche chargé. Voilà. Début de la phase. Ah, tout de champ. Tu sais, ils sont toujours présents, les Kikou. Oh, bah, c'est ça, je les vois pas. Bien tenté. Mais ça j'ai pas le temps de les voir en fait, vous les bannissez trop vite. Tu peux continuer. Pas échapper à mon noyau laser, micro. Et au niveau des dislikes, c'est à combien? Parce que tout à l'heure c'était 2 ou 3, je crois que c'est faible 2 ou 3. C'est un score de merde ça, 2 ou 3 dislikes. Il faudrait que tu en aies au moins 30 pour que ça commence à être quelque chose de conséquent. Ils peuvent pas faire ça. Ils sont trop faibles. Oui, j'aime bien ce style. Le Kikou est très susceptible en fait. Séquence d'allumage du Distorder en phase 2. Tu vas coordonnées verrouillées. Système Report, planète Harmonie. Ça va le faire, ça va le faire. Désolé, mais ton heure est. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, je suis sorti! Mais quel con! Je suis resté appuyé sur X pour recharger. 6 6
c'est un score de... C'est un score de noob. C'est un score de noob, c'est ça, franchement. Injecteur d'arche chargé. N'importe quel tombé peut créer ses comptes, hein. Moi, je pense qu'il pourra pas regarder. Hein. Déjà 10, ça m'étonnerait qu'il fasse mieux, déjà. Allez, 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 allez. Oh, et merde. On est dégueu. Il est où, il est où? Tu peux pas échapper à mon noyau laser. Je m'en foirais. Chopez-le. Séquence d'allumage du Distorder en phase 2. Coordonnées déroulées. Système Freeport et la planète Harmony. Tu me donnerais du Dark Lord, Navo. Allez, 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 allez. Nickel. Noyau Smart Orbit. On récupère la pile. Au calme. Il est où, il est où, il est où, il est où? Séquence Distorder en phase 3. Calcul de projection spatio-temporelle. Désolé, mais ton heure est venue. Ah, putain, j'arrive pas à me dégager, j'arrive pas à me dégager. Ah, pas mal. Ah non, foiré. Impec, ça. Qu'est-ce qu'il me fallait? Il y a encore de la santé là, bien en bas. C'était un dieu, c'était du genre coriace. Bah, il a disparu. On va voir comment tu t'en sors. What the fuck. Début phase 4 imminent. Génération du vortex à 97%. Rapide, hein, c'est con. Hein. Mais ils font pas beaucoup de dégâts, ils sont nuls. Hey, ah, chier, j'ai ramassé de la santé sans faire exprès. Tu vas mourir en héros. Hein. Je sais pas ce qui se passe. J'arrive plus à me tuer, tout ça. Allez, bouge. Tout le personnel doit évacuer les lieux immédiatement. Grave défaillance à prévoir des unités électromécaniques, dont les titans. Ça, c'est dommage. Noyau Smart Orly. Nickel. Allez, je l'achève. J'ai assez de santé pour l'achever. Putain, j'étais collé à elle par un moment. C'est... Alors toi, tu vas crever. T'es mort, t'es mort, je cherche pas que t'es mort. Je vais pas me laisser emmerder par un pseudo pilote. La pute. Que je fasse. Séquence d'allumage du Distorder. Allez, 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 allez. Je le prie ou pas? Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Le refus d'énergie à surcharger mes tempos. Système principal. Réinitialisation des systèmes oculaires. Système oculaire rétabli. Rétabli. La seule option est une projection. Est une pro alerte. Alerte. Titan ennemi détecté. C'est ton genre de chance, héros. Je vais pas te tuer. Je bosse pas gratos. Mais tu vas pas me tuer non plus. Tiens, t'as mérité ça. Blisk, le titan classe Vanguard est toujours là. Pas mon problème, Marder. Ça aurait dû figurer dans mon contrat. J'ai d'autres gens plein de fric à voir. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous croyez faire? La seule option est une projection. Est une projection. Décidément, là, le BT, on n'arrête pas de le péter. Et tu une projection.
Cooper, j'ai besoin de vous. Les systèmes d'autonavigation sont désactivés. Arrivez-moi dans ce système d'injection. Agissons ensemble. D'accord. Commandant Briggs, j'ai une solution à proposer. Si j'explose mon noyau de réacteur, je devrais pouvoir déstabiliser l'arche au centre du Distorder. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a moyen de le faire sauter. Je vous transmets des coordonnées de coordonnées reçues. Nous y serons, mais je n'en dirai pas autant pour vous. Faites-moi confiance, j'ai tout calculé. J'espère bien. Nous sommes en route. Bonne chance à tous les deux. Terminé. Mais je vais pas crever quand même. J'ai pas tué Joey Star. Y'a un moyen qu'on s'en sorte, BT ? Calcul. Protocole 3. Protection du pilote. Qu'est-ce que tu fous ? N'ayez pas peur. C'est un héros, BT. C'est un héros, mais là, il est complètement mort, BT, c'est sûr. On pourra pas récupérer son intelligence artificielle. On y est presque. Je marque les coordonnées sur votre ATH. La zone d'évacuation est en altitude. Il n'y a aucun site d'atterrissage exploitable plus bas. Et si je dois voler dans ce merdier, je te conseille d'être ponctuel, mon pote. Bougez-vous, pilote. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous suis, continuez. Oh. Putain la vache. C'est Space. C'est très très Space. Si je foire pas, c'est génial. Mais à mon avis, je vais pas réussir. Oh la vache. J'aimerais un tiboir quoi, je cours comme une balle, qu'est-ce que je fasse de plus? Je saute? J'ai un visuel! Oh! Je vous ai eu! Même Stallone fait pas ça, même Stallone. Pourtant Stallone, c'est le top hein. Parker, faut nous sortir de là! Accrochez-vous! C'est bon ça? Non, vous n'avez pas le droit de m'insulter, laissez ça aux Kikou. Ils ont déjà que ça pour eux, les Kikou. On n'allait pas leur retirer les insultes. Pilote Cooper, beaucoup de gens vous doivent la vie. À vous et à BT. Barker, cap sur Harmony. Ramenez-nous au bercail. Ça marche. C'est fini ? Arrête. La destruction de Typhon a sauvé Harmony. Pour les miliciens, c'est un QG. Mais pour des millions d'autres personnes, c'est un foyer. Briggs m'a annoncé que je serais incorporé au maraudeur et qu'on m'affecterait à un nouveau titan. Les ingés ont effacé ce qui reste de mon lien avec BT. Je me demande ce que ça fait de se voir un nouveau titan. Je m'étais habitué à l'ancien. Beau travail sur Typhon. À vous tous. Ici le pilote Jack Cooper. Je déconnecte. 2,15% des joueurs ont réussi à finir le jeu en légendaire. Je fais partie des 2,15%, c'est beau ça. C'est pas mal quand même. Pas mal, ça veut dire que j'ai fait mieux que 97,85% des gens qui ont joué au jeu. C'est un beau succès diamant, en effet. J'aime ce succès diamant, il est bon. Trophée diamant sur Xbox One. Ah bah oui, mais c'est pas demain qu'il y en a des trophées diamants. C'est depuis la mise à jour qu'il y a eu, je sais plus, il y a 2 mois, je crois. Il y a eu une mise à jour et du coup, bah, les succès diamants, en fait, c'est les succès rares, on va dire. C'est calculé par rapport au nombre de gens qui l'ont débloqué. Je crois que c'est les succès diamants, ça commence quand il y a...
quand il y a moins de 5% des joueurs qui ont réussi. Non, moins de 10%? Non, moins de 5% des joueurs, je crois. Un Kikou québécois? Non, c'est pas possible. Non, ça existe pas, un Kikou québécois. Ils sont tous gentils, les Québécois. Bah non. Non, c'est un Kikou qui se faisait passer pour un Québécois. Ne vous y laissez pas prendre. Vous allez pas vous faire avoir par ces cons-là, quand même. Merci. Du coup, stream sauvage. Ah bah oui, du coup, oui. Ah bah oui. Ta mère, c'est comme les Martines, il y a une suite derrière. C'est pas mal. Merci. Ouais, bah voilà quoi. Fin d'un let's play. J'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé le mode campagne de Titanfall 2. Autant Titanfall 1, je regrettais qu'il n'y avait pas un mode multijoueur. Autant je pensais que ça allait être de la merde sur Titanfall 2. Franchement. C'est pour ça que je l'ai pas acheté quand il est sorti. Je pensais que le mode solo, il allait être pas merdique, mais que ça allait être vite fait, bien fait et pas terrible quoi. Ah non, franchement, il est bon. J'aime bien ce mode campagne. Alors oui, faut aimer les jeux, que ça se passe dans le futur et tout ça. Mais bon, c'est comme tout. On n'aime pas le style forcément, on n'accroche pas au scénar. Mais ouais, j'aime bien. C'est un bon mode campagne et je regrette pas de l'avoir fait. Il est très bon. Mais j'espère qu'il y aura un Titanfall 3 et qu'ils feront encore un mode campagne et qu'ils repartiront pas sous le principe de faire juste un jeu multijoueur. Par contre, je suis un peu déçu de pas avoir pu tuer Blisk. Mais au final, on apprend qu'il est pas si mauvais que ça. Mais... Eh ben lui, c'est Joestar. Joestar, on sait qu'il est un monstre. Et oui, sur la fin, il aurait pu m'achever sur la fin. Mais il était pas là pour, et il l'a pas fait. Il était pas cruel. Oh la tronche, lui, il fait flipper avec son œil. Il me fait penser à un pote. Que je ne vois plus d'ailleurs. Avec une tête comme ça, évidemment. J'ai passé 3 soirées avec et... J'ai vite compris qu'il fallait plus que je le fréquente. Autant j'aime pas les Call of, autant Titanfall j'adore. Ah c'est différent. Hein. C'est différent. Ouais bah voilà. On va s'arrêter là. Qu'est-ce que je fais là? Je quitte? Ou ça va... Comment ça se passe? Comment je fais? Allô, y'a quelqu'un dans le jeu? Je quitte hein. Bah oui, qu'est-ce que tu veux faire? Ça sert à rien de laisser la cinématique pendant 3 plombes. On s'arrête donc là pour Titanfall 2. Et c'est bien, ça laisse de la place pour un autre let's play éventuellement. Je verrai bien. Ou pour faire du stream sauvage aussi, comme on en avait plus de programmer. Je verrai bien ce que je ferai sur la programmation de la semaine. Je mettrai ça à jour demain matin, quand je ferai la prog. Et pour l'instant, on va se faire une petite pause de 5 minutes, et puis on va se retrouver juste après. Ce sera pour aller sur un stream sauvage. Donc voilà. Bougez pas. Et ils sont parvenus, les Kikou. Oh, les faibles. 9 pouces rouges. C'est bidon. Moi, je pense qu'ils arriveront pas. Ils arriveront pas en mettre 20. Je suis trop bon pour avoir 20 pouces rouges sur un de mes lives. C'est clair. Hein? Je pense pas qu'ils arriveront en mettre 20 des pouces rouges. Rendez-vous dans 5 minutes. À tout de suite.